Grenade pareil, même. Ben oui, pour l'XP. On écoute un peu. Ouais, sur ma gauche, y'a de quoi. Il est où? Il est dans le coin. Y'a quelqu'un qui arrive à la course. De plus que lui. Vers la porte. Allez, je tire entre eux, let's go. Il y en a encore un. Ouais, c'est un scan, je pense. Il est ressorti. J'ai de le tuer. Ouais. Ferme la porte. C'est en bas avec un 12 cheveux des deux. Attention, attention. Oh, grenade. Tâche grenade. Tâche solide. Je l'ai tué. C'est le shotgun grenade. Ouais, c'est une enfoirée. Prends-les son shotgun grenade. Son shotgun. Go, 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 go. Il est tué un. Il est mort. Il y en a un autre. Ils sont morts les deux. Oh, c'est drôle! Ah, il y en a mort. Ils sont trois! Ah, oh, c'est beau ça! C'est la fondation. Ça va faire baboum! Elle est dans le salon, Lily! Lily! Faut fermer. Yes! Oh. Tirez! Putain, y'a un petit peu là, mais c'est... Un kill? Un autre mort, hein. Hey, t'as touché, tabarnak. Calice du soccer. Oh! Oh, yo, man! Mets la lumière, oh, yo, man! Hey, rentre ça dans la base, au petit tabarnak. Souillé. Souillé. C'est nice. Y'en a un qui est délogué. Putain, ici. Rage quit. Oh, y'a boy! Ah, oh, c'est nice. Ah. Mais je comprends pas pourquoi l'étage d'en haut est pas illuminé. Ma chérie, voilà déjà 8 mois que je suis au Canada et parfois je m'ennuie de Paris et de sa petite vie peinarde. Ici à Montréal, c'est l'Amérique, hein? Les junkies, Travelo, Victoria Square, les faubourgs malfamés de Brossard. On risque souvent sa peau. J'habite toujours chez Jean-Luc et Ghislaine. Ils sont un peu frustes, hein, mais dans le fond, très gentils. Ils m'hébergent, me nourrissent, lavent mes chaussettes, et moi, en échange, je fais semblant d'aimer leur café. Au début, j'ai éprouvé quelques difficultés avec leur dialecte, mais maintenant, je me débrouille en communiquant par signe. Ils m'ont emmené assister à un match de baseball. Le principe du jeu est simple. Le joueur qui court le plus vite autour d'un losange a le droit de faire des moulinets avec un gourdin. Un autre joueur doit lancer une balle sur le gourdin pendant que la foule scande peanuts. C'est le baseball. Baseball, hein, baiser le ball. Je me marrais comme une baleine, ils ne comprenaient rien. Hier, nous sommes allés dans les forêts vierges et sauvages de Repentigny pour faire la chasse à l'orignal. Notre guide s'appelait Chicoutimi. C'est le dernier des Algonquins. J'ai tué un ours avec le canif suisse que tu m'as offert. Jean-Luc et Ghislaine, qui sont sans emploi et donc entièrement disponibles, m'emmènent partout et malgré mes protestations, insistent avec véhémence pour tout payer.
Je n'ai pas encore touché à mes chèques de voyage. Je dois te quitter. Le pâté chinois est prêt. Je t'expliquerai. Ton polo. Ok, j'ai fait 900 damage au total. Oh! What the fuck? Ça bouge sur notre gauche, non? Ça marche en dedans. C'est moi. Peut-être moi. Oh, ils sont deux. Rentre, ils sont deux. C'est moi. Ok, c'était toi? Ok, ça c'était moi. Ok, j'ai tué un gars qui était en haut. Hey, non, mais méchant gourmet. Et encore 30 secondes et on est à la maison. Ah, il m'a eu. Late start. On est où? Quelqu'un d'autre, je pense. On le souille. Souille-le, le barbe! Y'a personne! Oui, c'est sûr qu'il y en a un autre, man! On le barre, il est dans les toilettes, il est quelque part. Ouais, y'a quelqu'un. Ouais. Je vais aller à gauche. Il est mort, je l'ai eu. Il est entre les deux ici. Le coquin, man. Ah, y'a des lunettes, je vais prendre des lunettes, ok? J'espère. Il est mort. Tu l'as eu? Il y a un mythe selon lequel, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 6 femmes pour un homme. En plus, on prétend que les femmes y sont plus jolies que partout ailleurs. Nous nous sommes rendus à Alma, la ville du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est le berceau de cette croyance. Notre but? Découvrir de quelle façon les gens vivent cette situation. D'après ce que j'ai vu, je suis allé de la baie à Alma, Robertval, puis 5 femmes pour un homme, ça c'est définitif. Il y a 5 femmes pour un homme. 3 femmes pour un homme. 7 femmes pour un homme. Mais c'est à peu près, il y a 10 femmes pour un homme. Toujours de bonne humeur, il communique sa gaieté aux autres. Il est également de nature calme, sans oublier qu'il est toujours prêt à rendre ses... Pour pogner un gars ici, il faut aller dans un bar. À part ça, il n'y a pas grand place. Ça dépend des saisons. Dans les bars, il y en a pas mal. Au nombre des activités qui occupent le temps de cet homme, qui avoue avoir réponse à tout, même s'il ne devrait parfois rien dire, il y a le conditionnement physique, la pêche, la marche, la musique, la lecture et la fabrication domestique de bière. Compensant par la tendresse puis des choses comme ça, là, être sensuel. Oh, j'ai déjà vu des bagarres de femmes pour un homme. C'est spécial. Ça s'arrache les cheveux, c'est pas pareil. Ce jeune homme obtient ce qu'il désire parce qu'il possède 2 qualités qu'on associe volontiers à la réussite. Il est ambitieux et persévérant. Il ne cache pas ses sentiments, même si on lui remarque parfois une légère timidité. Il veut faire la connaissance d'une demoiselle avant tout, mature et responsable, ne perdant jamais de vue ce qu'elle désire. Elle a entre 22 et 35 ans, elle sait utiliser son charme. Sportive à 16 heures, amoureuse de la nature, elle se montre enfin passionnée dans tout ce qu'elle touche, comme son futur compagnon duré. Réellement, pour la quantité de femmes qu'il y a pour d'hommes ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
on est porté à avoir plusieurs femmes, mettons, dans une même veillée ou encore en même temps. Il est stuff ou... Ah, il n'y a même pas de code sur sa porte. Vas-y, je vais sauter direct, on verra bien. Attends, c'est tout ouvert, mec, c'est tout ouvert. AK, full stuff. 19 roquettes. Mais non. 3C4, oh. Regarde ça, souris. Bah allez, mais vas-y, viens, on se casse. Allez, prends. Hey, je... en M249. Oh, l'armoire, elle est pas lock. Elle est blindée, elle est blindée. Vas-y, vas-y, attends. Oh, ma salle. Purée. Ah, ah, ça, vous arrivez, vous êtes même pas chez vous. Vous filez tout droit au frigo, vous prenez la dernière bière. Vous êtes un sacré sans-gêne. Merci. On va ouvrir ça derrière, en plein milieu, à trois lance-roquettes, là. Ah, jolie Grim, la petite incendiaire. Donc, c'est tout vert. Là, ça s'est mis à escouer, puis il n'y a pas de garde-robe où se promenant. Qui avait fait de l'électricité pis tout, c'était un serveur modé. Oh man, check pas bien aller avec ton électricité. Bande de courant! Tout à l'heure, il y avait une base à peu près pareille, on est rentré et puis il y a un gros. Oh, il y a un mec, il y a un mec. Eh oui? Vas-y, pose-moi sur la base, c'est bon. Non. C'est tout ouvert. C'est tout ouvert? Ouais, c'est okay. Les mêmes. Il est mort! Il est mort! Juste casse le bas, s'il te plaît. Respawn, respawn! J'ai pensé que j'avais mon mari, qu'on allait mourir ensemble. Puis après, on a dit deux chapelets, un en arrière de l'autre, en disant, hey, on était petits pour partir. Comment on dit ça? Plus catholique que le pape. More catholic than the pope. C'est les clés. Confinés. Pour le cuir, il va me sauter dessus, le cuir! Ouais, du don et de l'air, non? Philippe, la prochaine étape, le titre mondial de la gentillesse. Bon, écoute Jojo, tu vas me lâcher un peu la guibole avec tes questions à la noix, hein. Parce que moi, le guignol, j'ai pas que ça à faire, tu vois. Alors tu me laisses passer. Ouais, toi et moi, tu l'oublies parce qu'il est claqué, hein. Allez. Tu dois dire ou je te passe la tête, toi. Sans blague.